Shalom, shalom, Église, corps du Christ, ce votre humble serviteur, le révérend prophète Prince Lumbu. Je viens de l'Allemagne, là où, par la grâce de Dieu, nous avons une vision. Dieu m'a donné l'Église et sur Brennerbachstrasse à Dortmund. Aujourd'hui, j'ai un message pour encore réveiller l'Église, pour encore stimuler le peuple de Dieu, parce que vous savez, Dieu m'a dit ceci, avant la Pentecôte n'est pas après la Pentecôte. Et donc, quand la Pentecôte arrive, ou quand nous célébrons la Pentecôte, nous devons savoir qu'il y a des choses que nous devons aussi éveiller en nous. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons donc un passage que nous allons partager et essayer de développer pour l'édification du corps du Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ dispose le cœur de tout un chacun de nous afin de suivre ce message et que ça puisse édifier son peuple. Dans le nom de Jésus-Christ, amen. Alors, nous allons aujourd'hui voir dans le livre de Actes des Apôtres, au premier chapitre, verset 8, il n'y a qu'un petit verset que nous allons lire. La Bible dit ceci, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Mais vous recevrez une puissance. C'est la parole que Christ a donnée à l'Église alors qu'il était en train de promettre la venue du Saint-Esprit. Bien-aimé, lorsque Christ parlait de « vous recevrez une puissance », il était en train de dire au fait que quand le Saint-Esprit viendra, il nous donnera une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit est Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit arrive, c'est pour nous apporter la puissance. Voilà pourquoi, après la Pentecôte, les disciples étaient revêtu de puissance, il était alors capable d'aller vers la mission. Et nous aussi, nous devons nous réveiller après chaque Pentecôte. Lorsque nous célébrons la Pentecôte, c'est comme un rappel pour nous dire ceux qui sont en train de dormir, ceux qui ont perdu l'habitude d'aller conquérir le terrain, ceux qui ont perdu l'habitude d'évangéliser, de savoir que lorsque nous célébrons la Pentecôte, c'est un temps de réveil. C'est un temps où nous devons reconquérir des territoires. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Et donc, cette puissance que nous allons recevoir du Saint-Esprit va nous permettre d'être capable d'aller de nation en nation, d'être capable de renverser des principautés, des autorités et d'être capable de faire asseoir l'autorité du Christ là où nous sommes et là où il nous envoie. Vous savez, juste après la Pentecôte, les disciples étaient encore lourds et ils n'étaient pas encore partis. Ils étaient en train d'hésiter ou ils étaient encore en train, je peux dire, de rêver. Alors, il y a eu quoi? Une persécution. Et cette persécution a poussé les disciples de pouvoir sortir et aller faire le travail de Dieu. La puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit ne vient pas pour te laisser là où tu étais. La puissance du Saint-Esprit vient comme un aigle pour te prendre et de t'amener dans son nid. Lorsqu'il t'amène dans son nid, c'est pour te nourrir. Lorsqu'il te nourrit, c'est pour t'envoyer en mission. Après la Pentecôte, il faut que nos sensibilités spirituelles puissent se réveiller. Après la Pentecôte, il faut que l'Église soit préparée pour aller conquérir. La Bible dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Cela veut dire, après avoir reçu cette puissance, ne restez pas là où vous êtes. Ne restez pas cloué là où vous êtes, sortez, gagnez les âmes, parce que celui qui est revêtu de puissance d'onction du Saint-Esprit, cela ne vient pas pour lui laisser tranquille, mais ça vient pour bouillonner en toi. Et lorsque ça bouillonne en toi, ça te pousse à conquérir.
Ça te pousse à aller vers les autres. Ça te pousse à aller chercher. Vous savez, aujourd'hui, l'Église a perdu l'habitude d'évangéliser de nouvelles personnes. Nous sommes toujours, quand nous parlons de l'évangélisation, nous avons déjà en tête les personnes que nous allons aller voir. Il y a une sœur, il y a un frère que je connais. L'heure est grave. Nous devons nous lever pour évangéliser même des inconnus. La puissance que Dieu nous donne par son Esprit Saint nous permet de gagner les âmes indiennes, les âmes chinoises, les âmes françaises, toutes les couleurs de la nation. Voilà pourquoi nos églises se limitent comme des familles simples. Nos églises sont souvent limitées parce que lorsque nous voyons l'évangélisation, je connais une telle sœur, je connais un tel frère, je vais aller les voir. Gagner les inconnus. La Bible dit, vous serez mes témoins dans des territoires. Marquons des territoires. Allons dans des territoires. Après la Pentecôte, il faut que l'onction du lion, l'onction du Judas règne en nous. L'onction du Judas marche avec nous. Le lion est appelé à conquérir des territoires. Le lion ne vit pas sans territoire. Allons vers les nations. Allons vers des quartiers. Allons vers des pays. Allons vers des peuples. Nous voyons aujourd'hui, il y a des églises chinoises, il y a des églises indiennes, il y a des églises congolaises, il y a des églises ivoiriennes, il y a des églises cabéonaises. Ça, ce sont des barrières que l'homme est en train de faire. Notre Dieu est un Dieu universel. Excusez-moi. Notre Dieu n'est pas un Dieu limité. Nous devons barrer, briser ces barrières-là. Soyons des lions. Allons en conquête et gagnons les âmes pour la gloire du Christ. La puissance qui est venue en toi du Saint-Esprit doit te servir à transformer ton milieu. Je voudrais ajouter quelque chose. La Bible dit, Dieu dit dans sa parole, j'ordonne que vous soyez puissants. J'utilise le singulier, que tu sois puissant. Ce n'est pas une demande, ce n'est pas une suggestion, mais c'est un ordre de Dieu. L'Église doit être puissante. Et cette puissance, c'est quoi? C'est la puissance que le Saint-Esprit nous communique. C'est ça qui nous donne accès au territoire qui nous a été fermé. Cela renverse des principautés, cela brise des barrières. C'est là, avec cette puissance, les esprits ténébreux ne pourront pas résister. Avec cette puissance, même si on n'était pas capable de pouvoir bien parler, même si on n'était pas capable de pouvoir présenter Christ, cette puissance nous donne l'onction. Cette puissance nous donne la capacité d'aller vers des nations. Soyez éveillés, Église. Soyez des véritables conquérants. La Pentecôte est un temps de réveil. La Pentecôte est un temps de conquête. Nous sommes de la race de Judas. La Pentecôte vient 50 jours après la Pâque. Cela veut dire quoi? Pendant la période de la Pâque, c'est la période où le lion attrape sa proie. C'est-à-dire, c'est le temps où Christ nous donne son corps et nous donne son sang. Et 50 jours après, le lion est déjà équipé. Le lion est déjà rassasié. C'est alors que le lion a la force nécessaire pour conquérir. Ne restez pas cloué à la maison. Ne restez pas dans des distractions. La Pentecôte, c'est le temps de l'Esprit. La Pentecôte, c'est le vent de l'Esprit. Mais vous recevrez une puissance. Sans cette puissance, on ne peut pas aller dans les nations. Sans cette puissance, on ne pourra pas faire des choses au-delà de notre force. Mais avec cette puissance, nous sommes appelés à faire ce que Jérémie dit. Abattez, détruisez, nuisez, arrachez et ensuite planter et semer. On ne peut le faire que par la puissance. Celui qui n'a pas de puissance, il ne pourra pas arracher. Arracher quoi? Arracher les choses qui ont été semées. Les choses qui te rendaient lourd. Il est temps de les arracher. Les choses qui empêchaient ton église d'aller à l'avant.
de l'avant. Les choses qui empêchaient ta vie de prière d'accroître, c'est le temps de les arracher. C'est le temps de les abattre. C'est le temps de nuire. Et lorsque tu finis à faire ces choses, il y a un temps maintenant de planter et de semer. Pourquoi le travail commence par abattre? Pourquoi ça commence par arracher? Parce qu'on ne peut pas poser de nouvelles bases sur les anciennes bases. S'il n'y a pas une transformation personnelle d'abord, individuelle, cette puissance ne trouvera pas assez de place dans ta vie. Il faut commencer soi-même par arracher, par briser, par couper les choses, par abattre des racines, des fondements qui ne sont pas bibliques, des fondements qui ne sont pas, qui ne te permettent pas d'aller de l'avant. Ces choses-là doivent partir de toi. C'est alors que cette puissance trouvera de la place. Et tu pourras maintenant s'aimer. Tu pourras maintenant planter. L'être humain, c'est la terre. Et étant terre, on ne peut pas aller semer le maïs, on ne peut pas faire semer les arachides sur une terre qui n'a pas été labourée. Nous voulons recevoir une puissance. Laboure ta terre. Cette puissance aura de la place. Celui qui est rempli, c'est alors que son onction va déborder. Celui qui est rempli, c'est alors que sa puissance va déborder. Et pour que tu sois rempli, il faut qu'il y ait un vide. On ne met jamais l'huile nouveau dans un outre ancien. Si on met l'huile nouveau dans un outre ancien, ça risque de déchirer, de détruire l'outre. Voilà pourquoi, Église, je te rappelle en te disant que nous sommes après la Pentecôte. Avant la Pentecôte, n'est pas après la Pentecôte. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est une prophétie. Et quand Dieu parle, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. C'est une promesse pour toi. Cette puissance doit venir en toi. Cette puissance doit produire des effets en toi. Manque de puissance. La Bible dit, avoir la puissance de Dieu est un ordre. J'ordonne que tu sois puissant. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas une suggestion, je répète, mais c'est un ordre de Dieu que nous soyons puissants. Parce que si on n'a pas la puissance du Saint-Esprit, il sera difficile d'aller dans des nations. Voilà pourquoi il dit, vous recevrez d'abord une puissance. Le Saint-Esprit sur vous, alors que vous pouvez conquérir des nations. Je vais prier pour quelqu'un ce soir. Je veux prier pour toi qui m'écoutes. Je ne sais pas l'air que tu m'écoutes. Canada, États-Unis, tu es où en France, en Allemagne, tu es au Congo, en Afrique, partout. Je ne connais pas l'heure qui est là, mais ce que je vais te dire, par cette prière d'aujourd'hui, il y a des choses qui seront arrachées. Il y a des choses qui seront abattues. Et il y a des choses qui seront plantées pour que la puissance du Saint-Esprit puisse te conduire dans un autre niveau. Là où tu es, sois concentré et que la puissance du Saint-Esprit puisse descendre sur toi. Je vais prier pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je prie dans le nom de Jésus-Christ que cette personne qui me suit aujourd'hui, quel que soit son niveau, quel que soit son état, laisse, ô mon Dieu, mon roi, que les choses plantées et semées par l'ennemi soient arrachées et qu'aujourd'hui, la puissance du Saint-Esprit s'implante en lui. Et qu'aujourd'hui, qu'il y ait un nouveau départ pour son ministère, pour sa vie, aller comme des lions pour conquérir les nations, aller comme des lions pour gagner les âmes, aller comme des lions pour apporter l'évangile, c'est alors que la gloire se manifestera. Mais vous recevez une puissance et une prophétie qui doit s'accomplir dans la vie de tout un chrétien. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Pour nous voir, nous sommes sur Brennaborstrasse, numéro 10 à Dortmund. Que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Happybox TV. Happybox TV, c'est le bouquet pour regarder Pactole TV. Dans la rubrique Religion au numéro 358. Achetez les décodeurs Happybox TV.
sur www.happyboxtv ou chez Pactol TV. Sans aucune configuration préalable, la Happybox TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happybox TV, c'est la télévision autrement. Pactol TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happybox TV et Orao Télécom. 100€ pour l'achat du décodeur et 12€ seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Beansport et Pactol TV. Ne tardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happybox TV pour regarder la télé autrement. Happybox TV. Les chrétiens posent des questions qui restent sans réponse. Parce que ceux qui ont la connaissance n'osent pas en parler. D'accord ou pas d'accord, pour ou contre, les uns diront oui, les autres non. Venez sur le plateau, dire tout haut ce que vous pensez, tout bas. Ne le gardez pas pour vous, osons en parler. Osons en parler pour lever plusieurs équivoques dans la vie des chrétiens. C'est lui qui fait promesse et fidèle. Ebenezer Ministry organise la Convention mondiale Hadassa 36e édition. Tu es ici présent. Ce sera du 1er au 3 juin 2018 à Amsterdam. Avec l'archibishop Nathanael Banza et Mama Pasteur Mireille Chilumba Banza. Du 1er au 3 juin 2018. Un rendez-vous qui est dans le cœur de Dieu. Nous avons pour thème 4 arches de l'alliance. Viens, bien-aimé, écoutez le secret qui est dans les 4 arches de l'alliance. Et nous nous préparons au retour de Messie. La 4e arche de l'alliance, c'est la croix de Jésus-Christ qui nous fait entrer au ciel. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Le thème choisi cette fois, c'est les 4 arches de l'Alliance. Venez pour connaître les secrets de l'Alliance et bien préparer les retours du Messie. Hadassa, Amsterdam, pensez à la sanctification et à la repentance. Pensez à Hadassa. Alors, soyez présents à Amsterdam. Je vous enverrai les paraclétos, l'esprit de vie. L'esprit majeur, c'est lui qui parlera à votre place. Du nouveau dans la ville de Bandundu, les majestiques hôtels Bandundu. Situé dans les centres-villes de Bandundu, dans la province du Kwilu, en République démocratique du Congo, l'établissement Majestic Hôtel Bandundu propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport. Connexion internet gratuite dans l'hôtel, plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres, luxueusement décorées dans un style élégant. Au Majestic Hôtel Bandundu, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé 4 étoiles, le Majestic Hôtel Bandundu est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du Majestic Hôtel Bandundu sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandundu et les sites touristiques locaux. Le Majestic Hôtel Bandundu est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Bana Bandundu, Baningville, Benkwen, Benukwen na Bwalaku Talababuti. Pour vos réservations, faites les plus 243 852 902 232 ou
les plus 243 828 872 275. Le majestique hôtel Bandundu est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini, ex-avenue Kassai, dans la commune de Bassoko, au centre-ville de Bandundu. Le majestique hôtel Bandundu, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province. À très bientôt chez nous.